Voici encore une de nos nouvelles créations. Le bolide à propulsion. Donc, pour le système de mouvement, la rotation des roues, c'est un moteur. Avec la télécommande, on l'actionne. Il tourne d'un sens ou de l'autre, ça entraîne cette grosse roue. Puis elle revient toujours droit grâce à cet élastique. Et elle est sur l'axe des roues. Alors si j'ai fait tourner, elle tourne comme ça les roues. Voilà. Et à l'arrière, il y a un deuxième circuit manuel, 13 volts, de l'hélice qui le propulse. Donc là, il y a la grande antenne qui dépasse, qui relie à ma télécommande pour la direction. Donc je vais le démarrer. Donc voilà, il n'est pas vraiment fait pour l'intérieur parce qu'il va un peu vite et il tourne pas en extérieur. Donc il tourne bien à gauche, à droite, ça va. J'allume. Donc l'hélice tourne beaucoup plus vite que ce qu'on voit sur la caméra, hein. Faute de balayage. En fait, elle va très très vite. Donc pour une meilleure poussée, on a remplacé l'hélice par un moteur. Quand on allume, les roues tournent très vite. Ah, donc le bolide peut se déplacer beaucoup plus rapidement. Le système de rotation, c'est toujours le même. Légèrement sécurisé pour qu'il fonctionne mieux et plus longtemps. Voilà. Donc on va le tester. Hop. Donc il va beaucoup plus vite. Donc on a encore fait un changement. On a mis un appareil photo pour pouvoir filmer de l'intérieur ce qui se passe. Donc on va commencer, on va voir à peu près si ça ressemble. On a rajouté ce blog là. Sinon c'est toujours le même système. Whoop!